Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Fin de série pour les Aiglons défaits à Nantes la semaine dernière. Ils vont devoir rebondir ce dimanche face à Reims, à l'Alliance Riviera. C'est le thème de ce 68e numéro de Gymto, en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Mbercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Antoine Dengoulé de retour, salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et l'ami François Parture, le Chua, il est avec nous, salut François. Salut Mika. Notre invité cette semaine est l'ancien libéro du gym et l'un des vainqueurs de la Coupe de France 1997, Thierry Critier est dans Gym Tonic. Salut Thierry. Bonsoir Mika, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Ça faisait un petit moment qu'on voulait vous avoir effectivement dans Gymto et on a réussi à enfin coordonner nos agendas et on est ravis que tu sois là. Alors, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce revers, hein, 1-0 à Nantes, un mal pour un bien, ce sera la question du pour-contre cette semaine. Nous ferons un focus sur Khéphren Thuram qui doit monter en puissance. Alors, il est blessé, hein, je vous le dis tout de suite, Khéphren Thuram, mais c'est vrai que ces derniers temps, eh bien, ses prestations offensives en particulier ont laissé à désirer. Et puis, nous parlerons également des déplacements de supporters, hein, qui sont dans le viseur des pouvoirs publics après la mort tragique d'un supporter nantais en marge du Nantes-Nice. Et puis nous évoquerons ce match, hein, contre Reims dimanche à 13h à l'heure du gigot flageolé qu'affectionne William. C'est à l'Alliance Riviera avant le souviens-toi, ou plutôt le souviens-toine d'Antoine Dengoulé à propos de notre invité Thierry Critier. Mais pour démarrer ce gymto, Will, on va revenir sur cette fin d'invincibilité pour les Anglons. On le sentait presque venir, c'est bizarre, avant le match, il y avait quelques petits signaux qui nous disaient ça peut peut-être se terminer à Nantes. Tu parles pour toi là, hein, parce que toi tu l'avais senti, moi j'ai malheureusement perdu mon pari, hein. J'étais persuadé que Boulka n'allait plus prendre un but en 2023, bon il en a ça pris. Ça fait, hein, beaucoup de paris que tu perds. Ouais, bah écoute, déjà j'ai l'audace d'en prendre des paris. J'ai très soif donc ça tombe bien. La dernière fois quand même j'en ai gagné avec le coach, c'était pas mal. Donc, oui, une défaite, ben voilà, la fin de série d'invincibilité défensive, mais moi en revanche quand même je retiens derrière un match plutôt cohérent offensivement de la part de l'OGC Nice. Beaucoup d'occasions, comme le disait Morgan Sanson, c'est peut-être un paradoxe, mais finalement cette défaite c'est là où le gym a eu le plus d'occasions de but pour égaliser, et ce qu'ils auraient mérité d'ailleurs, au moins le point du match nul sur la physionomie du match, mais ils sont tombés sur un Alban Lafont exceptionnel. Donc après il y a des choses positives, Terem Moffi à droite c'est encore une bonne chose. Voilà, après il y a eu ce couac Bonani qui s'est blessé, maintenant on perd Thuram. Bon ben voilà, pas une très bonne semaine, hein, pour l'OGC Nice. Effectivement, on va regarder les stats de cette rencontre entre Nantes et Nice qui vont venir confirmer ce que tu disais, Will, au niveau des occasions en particulier pour les Niçois, au moins deux grosses occasions manqué pour les Aiglons. C'est vrai qu'ils ont dominé, hein, cette rencontre, même si ben, il y a autant de ballons touchés dans la surface adverse de la part des deux équipes, il semblerait. Thierry, c'est un coup d'arrêt pour Nice, mais voilà, on va pas non plus s'en faire tout de suite trop, parce que après 13 matchs d'invincibilité, 13 matchs invincibles, bon bah voilà, il fallait bien perdre un jour, quoi. Oui, tout à fait. Non, je crois que ce qu'ils ont réalisé jusqu'à ce match-là était quand même exceptionnel. Donc, je crois qu'il faut surtout retenir ça plus que la défaite. Après, comme on dit, hein, toute série a une fin. Mais c'est vrai que moi non plus, je la voyais pas spécialement venir, parce que même si les matchs qu'on a vus, c'est vrai qu'en termes d'occasion, c'est assez pauvre par un moment, ce que j'ai vu. Notamment à l'Alliance, quoi. Mais voilà, après, ben, c'est surtout de voir la réaction derrière. C'est ça le plus important, je crois. Hein. Après, voilà, il faut. Le match, il est passé, il est ce qu'il a été. Et puis, voilà, il faut repartir de l'avant et reprendre une dynamique positive d'ici les fêtes, quoi. Alors, la réaction, on la verra peut-être face à Reims dimanche. On aurait aimé peut-être la voir aussi, parce que c'était la première fois donc, que l'OGC Nice était mené cette saison, Antoine. Donc. La réaction des Aiglons, comment tu l'as trouvée, toi? Il y a ces occasions, mais pas concrétisées. Il y a ces occasions. Première fois qu'ils sont menés, donc on attendait effectivement une réaction. Elle n'a pas vraiment eu lieu. En fait, on a eu l'impression un peu de voir les mêmes matchs que d'habitude. Mais là, effectivement, ils étaient menés. Donc, il y a eu des occasions, effectivement. Mais moi, j'ai surtout été déçu, notamment par Boga.
parce que Boga, ça fait 3 matchs qu'il ne fait plus aucune différence. Contre Rennes, il avait été excellent. Il avait, je crois, gagné 8 duels. Là, il ne fait plus aucune différence. Avec, pour un joueur à 18 millions d'euros, je trouve que ça justifie pas assez son transfert. J'étais déçu aussi par Guessant, qui a du mal à gagner sa place, qui pourtant était en pointe, qui joue contre le club avec qui il avait été prêté, Nantes. Et bon, il a du mal à gagner sa place. Et j'étais aussi un peu déçu par Todibo en tant que cadre, qui s'est fait un peu bouger par Simon. Et je trouve effectivement qu'il n'y a pas eu vraiment une réaction comme on pouvait l'attendre. De la part de cette équipe. François, le problème est toujours le même dans cette équipe de l'OGC Nice, c'est que ça ne marque pas de but. Oui, ça en prend très peu, je crois 5, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus espérer faire... toute la saison à deuxième place en marquant combien, 14 buts en 14 journées, je crois que c'est ça à peu près. Ouais. Donc c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné passer à la vitesse supérieure au plan offensif. Moi je suis un grand fan de Terem Moffi, hein, vous le savez, j'aime beaucoup ce joueur. Peut-être, ça te plaît à droite ? Moi je préfère dans l'axe, honnêtement. Ben, ouais. Après c'est vrai qu'il a rendu des services, comme l'a très bien dit Will, sur le côté. Mais après on va aussi arriver peut-être à la période du mercato. Alors est-ce que Nice aura l'ambition de se renforcer sur le plan offensif, ça sera peut-être aussi une question importante, hein. Ouais. Parce que j'entends des noms du côté de Lyon, etc., et pourquoi pas aussi du côté du Gym. Mmh. Là, tu prends, tiens, d'ailleurs, il y a un joueur qui n'est pas en odeur de sainteté en ce moment du côté de Lyon, en tous les cas, qui a du mal. Cherki, tu le prends, non, toi? Non. Comme on aime bien relancer les joueurs lyonnais ici. C'est trop complexe psychologiquement, ce garçon. Ouais. Non, il va... C'est un vrai bon groupe, là. Soudé, solidaire, ça se bat pour l'un, pour les autres. Je vois pas Cherki venir faire ça à Nice. Il le fait pas à Lyon, je vois pas pourquoi il ferait à Nice. Et toi Will, tu verrais quoi comme solution offensive? Parce que moi, je pense que les joueurs, ils les ont. Mais c'est plus une question d'animation au niveau de l'offensive. Non, mais il y a des individualités. Je l'ai très bien dit. Boga, c'est pas assez. Moffi à droite, ça pouvait être intéressant. Dans l'axe Guessant, il confirme pas. Mais je suis pas catastrophé non plus. Parce que comme je l'ai dit à Nantes, j'ai vu quand même 6-7 occasions pour l'OGC Nice. S'il n'y a pas un Alban Lafont sur un nuage... Ça perd pas. Ouais. Tu le fais pas un peu briller aussi, Alban Lafont, Thierry, dans ce match? Parce qu'il y a, ok, il fait des arrêts, mais c'est pas des arrêts non plus exceptionnels, quoi. Oui, tout à fait. Mais bon, après, l'important, c'est de se les créer quand même, les occasions. Et ce que je disais, après, c'est vrai que j'ai vu des matchs où... Alors, c'est vrai que la finalité, c'est la victoire. C'est quelque part ce qu'on retient. Parce que comme je disais, des fois, on peut pas trop faire la fine bouche. À un moment, on n'a pas d'occasion, mais on est second du championnat. Et voilà, et à l'inverse, Nantes, c'est le meilleur contre-exemple avec toutes ces occasions et à l'arrivée, une défaite au bout. Donc, c'est de peut-être trouver le juste équilibre, justement. Et c'est peut-être pas, comme disait Will, une question de joueur. C'est peut-être une question aussi d'animation. Moi, je vois les attaquants faire les appels, ils sont pas servis de suite. Et donc, ça repart de l'autre côté. Donc, peut-être qu'on ne voit pas non plus tout. Après, on ne sait pas tout ce qu'il leur est demandé non plus. Donc, ça joue aussi sur l'animation. Hein. Et il en a un peu parlé, Morgan Sanson, aussi, de ces attaquants qui font beaucoup de kilomètres dans le match. Et puis, c'est vrai qu'ils perdent peut-être la lucidité aussi devant le but. Il y a aussi de cela. Moi, je pense notamment à Gaëtan Laborde, qui fournit énormément d'efforts quand il est sur un côté. Et c'est vrai que, du coup, offensivement, il perd un peu en lucidité. On voit clairement où il rate un pénalty quand même. Pourtant, on l'a vu dans les stats, c'est un des attaquants qui tente le plus de frappes au cours d'un match. Ça fait 9 matchs qu'il n'a pas marqué. Non, ça fait 9 matchs qu'il ne marque pas, mais il tente, ce pauvre garçon. Mmh. Et puis, je sais pas, moi je dis ce pauvre garçon parce que. En fait, garçon, j'aime beaucoup. Tu abuses quand même, c'est non, pas non, mais je dis pauvre garçon parce que moi, ce que j'aime chez ce joueur, c'est que par contre, il est irréprochable au niveau de l'état d'esprit. Et quand tu as des mecs comme ça, irréprochables, qui se battent et qui sont un peu dans le trou, ça me fait un peu de la peine. À la différence, je vais pas lui jeter la pierre, mais à la différence de Jérémy Boga, moi, je le vois pas afficher un état d'esprit irréprochable. Alors que Gaëtan Laborde... Tu trouves qu'il ne se bat pas assez sur le terrain, ça? Non, voilà. Bon, on fera un des thèmes autour de Jérémy Boga. Effectivement, on va écouter avant cela Morgan Sanson, justement, sur ce travail des attaquants et cette inefficacité offensive. C'était tout à l'heure en conférence de presse. C'est un manque de réussite. C'est pas un manque de travail, en tout cas, parce que je peux vous dire que les attaquants, y compris les milieux, tout le monde travaille offensivement, fait du rab après les séances. Donc, c'est pas un manque de travail. Mais c'est sûr qu'on est dans une période où on marque pas autant qu'on devrait, même si bien sûr on essaye de se créer le maximum d'occasions. Mais je pense que ça va tourner parce que, comme on dit, le travail va porter ses fruits. Donc j'ai pas de doute là-dessus. On a des attaquants et des offensifs qui sont de qualité. Donc
quand ça rentrera pour tout le monde, bah, ça va dérouler. Voilà, il faut que la roue tourne. La roue tourne. Messieurs, pour ce match face à Reims. Vraie satisfaction, Sanson à Nantes, par exemple. vrai bon match et très grosse qualité sur coup de pied arrêté. Ah ouais, mais alors attends, ça... oui, d'accord, mais on marque pas un but. Mofi, alors tout à l'heure, tu dis que la fond, t'as pas vu de parade. Moi, j'en ai vu deux. Oui, enfin, la tête de Thuram, ils peuvent la mettre partout, sauf sur la fond. La tête renversée de Mofi. Oui. Elle est en Lulu. Il va la chercher, une parade incroyable. Oui, oui. Et le tête à tête avec Guessant. Elle est pas puissante. Tu vois, elle est placée. Elle est placée. Dans un angle. Elle est placée, mais pour un gardien, c'est son boulot d'aller la chercher, là. Tu vois ce que je veux dire. Tu es rabat-joie. Ben non, mais je sais pas. La retournée, elle va où déjà? Et la retournée, elle est plus centrée. Ouais. Elle est plus centrée. Mais le tête-à-tête Guessant, super arrêt aussi de la fond du pied, là. Tête-à-tête avec Guessant. Ouais, mais moi, je trouve qu'on a fait briller Guessant dans ce match, plus que plus que deux occasions loupées, peut-être pour les attaquants. Et on va parler tout à l'heure de Kefren Thuram, mais la tête de Kefren Thuram. Non, la tête, je suis d'accord. Il est au 5m50, il doit faire mieux. Bon. On va passer au pour-contre, tiens, avant le débat sur Kefren Thuram. Et le pour-contre cette semaine, eh bien, c'est est-ce que cette défaite à Nantes est un mal pour un bien? Parce que c'est vrai qu'avant le match, on parlait de tous ces records, cette invincibilité, ces statistiques, cette obsession même à défendre du côté de l'OGC Nice. Maintenant, c'est fait. Les Aiglons ont perdu. Un mal pour un bien. Antoine. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, parce qu'on va enfin arrêter de parler des chiffres. Donc 16 matchs en défaite en Ligue 1, si on compte les 3 de la saison dernière en plus. 13 matchs sans avoir été menés, ça y est, on n'en parle plus. 8 clean sheets d'affilée. On va plus en parler. Les invincibles, c'est fini. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça va enlever un peu de pression à l'OGC Nice. On va un peu moins parler du gym. Donc peut-être que là, ça pourra un peu plus les libérer. Ils vont pouvoir enfin un peu se lâcher et peut-être marquer des buts et leur enlever un peu de pression. Moi, je vais dire non, parce qu'une défaite n'est jamais un bien. Alors, j'aurais préféré que l'OGC Nice ne perde pas. Et puis, je ne suis pas certain qu'on en ait tant parlé. Nous, oui, on en parlait de la série d'invincibilité, mais au niveau médias nationaux, on s'en foutait un peu de l'OGC Nice déjà. Ouais, je suis pas d'accord malgré avec cette série d'invincibilité et compagnie. Ça ne change pas grand-chose dans l'œil des médias nationaux. Et ils sont tous concentrés sur le retour en grâce de l'Olympique de Marseille, qui est pourtant encore à 9 points derrière. Mais qui est pris 6 points en 2 matchs, quand même. Ouais, super. Et Nice en avait pris 29 en 13 journées. Non, moi j'aurais préféré qu'ils perdent jamais. Bon, tu peux répondre, Antoine. Il me semble avoir vu une de l'équipe sur l'OGC Nice, genre le Rock ou les Invincibles, enfin je ne sais plus ce qu'ils avaient mis à l'époque. Et aussi, quand tu regardes sur l'équipe TV, ils en parlaient beaucoup, qu'ils ne prenaient pas de but, les records. Moi, j'ai trouvé qu'on a quand même beaucoup parlé de l'OGC Nice. De façon positive, dans les médias nationaux. Et peut-être pas internationaux, bien sûr, mais non, non. Un peu en Italie. Eh oui, pour Farioli. Bon. Thierry, évidemment, quand on est joueur, on hait la défaite, mais est-ce qu'il y a parfois des défaites un petit peu salutaires? Je ne sais pas trop s'il y en a des qui sont salutaires. Après, il faut voir justement derrière, c'est ce qui va nous dire que c'était bien ou pas bien de perdre. Mais comme je rejoins Will, enfin, je pense que les joueurs au départ, ils n'ont pas en tête tout ce qui est les stats et tout. Je pense qu'ils jouent pour gagner, donc de perdre, c'est toujours ralent, quoi. Et je pense qu'il aurait mieux fallu qu'elle continue la série. Hein. Ouais, au moins par un match nul, ce que les Aiglons méritaient au moins. À Nantes. François, la synthèse de tout ça, est-ce que perdre ce match à Nantes était un mal pour un bien après avoir écouté les arguments de tout le monde? Ben non, c'est perdre, c'est toujours une douleur. Donc si on peut l'éviter, évitons-la. Hein, et puis gagnons dimanche contre Reims 1-0. Et le match. 1-0, toi, ça suffira ton bonheur. Quand on gagne 1-0, soit on perd 1-0. Là, on gagne 1-0. À la niçoise, quoi. À la niçoise, voilà. Ouais. Bon, okay. On peut dire aussi que Nantes, c'est notre nouvelle bête noire. Hein. Ah oui, ouais, effectivement, après la finale de la Coupe de France. On ne les a jamais battus depuis la finale. Ouais, enfin, c'était à ton époque aussi, Thierry. Nantes, c'était compliqué. On se souvient d'un 5 ou 7-0. 7-0, ouais. J'y étais pas, je vois. C'est peut-être pour ça. Mais je m'en souviens aussi. À la Beaujoire, ouais. Oui, on a des bêtes noires, de toute façon. Ça, c'est sûr. Qu'on a certains clubs où on n'y arrive pas. Ouais. Les Canaries qui bouffent les Aiglons, on a vu ça où. Eh ben ouais, mais, ouais, mais après, oui, je suis d'accord là depuis la finale, mais avant on avait gagné 2 fois à Nantes, je crois, les saisons précédentes. Ouais, mais bah, c'est des matchs qui un peu symboliques, quoi, ouais. Qu'on retient peut-être un peu plus facilement, surtout une finale de Coupe de France. On en parlait tout à l'heure de Kefren Thuram, c'est notre focus de la semaine.
Alors, on va le rappeler, Khéphren Thuram qui sera absent. Alors, on ne sait pas encore combien de temps, hein, parce qu'il Will, il doit passer une IRM, hein, c'est ça, douleur au genou droit. Ouais, d'ici samedi, il devrait passer une IRM. Et, bon, vous voyez. Ça ne sent pas bon pour toi ? Ouais, une IRM, c'est jamais bon. Hein. Non, mais en plus, quand le coach est déjà, annonce déjà qu'il est forfait pour ce week-end. C'est que déjà là, c'est assez sérieux parce qu'à 48 heures du match, tu peux toujours. Et c'est pas un coup quoi. Voilà. Donc, je suis un peu inquiet et surtout que l'OGC Nice a déjà perdu Diop, Boanani, maintenant Thuram. C'est pas au meilleur moment. Pas au meilleur moment, juste avant juste la fin de cette première partie de saison. Alors, vous allez nous dire qu'on s'acharne peut-être sur Khéphren Thuram, mais c'est vrai qu'on est un peu déçu par l'apport de Khéphren Thuram dans ce début de saison niçois. Alors, peut-être pas au plan défensif, hein, d'ailleurs, messieurs, mais peut-être dans son apport au jeu, Antoine. Bah, c'est déjà sur ses stats, hein, c'est 0 but, 0 passe décisive. Donc, la saison dernière, il avait fait, je crois, 2 buts, 4 passes décisives. La saison d'avant, 4 buts, 2 passes décisives. Donc, bon, alors c'est sûr qu'il n'a pas le même nombre de matchs, on pourrait attendre la fin de saison. Mais c'est vrai que devant le but, il est déjà, en fait, c'est vrai que défensivement, il fait le job. Je trouve qu'il fait moins de chevauchées, il casse moins les lignes un petit peu que lors des précédentes saisons. Et puis, voilà, et puis il y a une stat aussi, donc il a raté un but tout fait contre Nantes. Et il y avait, moi, un match qui m'a marqué, là où il avait d'ailleurs été bon défensivement, c'est contre Montpellier, où il avait remplacé Youssouf dans l'axe au milieu. Il a eu 4 occasions, il a eu fait 4 tirs, 4 non cadrés et vraiment non cadré quoi. C'était poteau de corner, c'était 3 points pour le rugby et c'est vrai qu'il a un vrai problème de finition devant le but. On a failli, et tu m'as presque censuré, tu m'as censuré là-dessus, on a failli titrer ce focus Khéphren Thuram surcoté. Ouais, non mais parce que je le vois déjà sur les réseaux, certains supporters qui tiennent ce genre de discours. Et ça, mais ça me désole parce que Khéphren Thuram, en fait, on est déçu. Pourquoi ? Parce qu'il a des qualités énormes. On en attend beaucoup. Mais oui, mais il a des qualités énormes. Il les a, les qualités. Et oui, mais quand tu ne concrétises pas. Oui, d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il est surcoté. On ne va pas dire que non plus Khéphren Thuram vaut 5 millions d'euros. Faut pas délirer. Faut quand même raison garder. Pour toi aujourd'hui ? Comment ? Combien il vaut pour toi aujourd'hui ? Si tu veux faire un tarif. C'était Florent Ghisolfi. Pas moins de 20 déjà, mais... Ah oui, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est plus le Khéphren Thuram international, c'est plus le Khéphren Thuram. On parlait de 40 millions à la trêve. L'été dernier, c'était, il sortait d'une convocation nationale, il avait un petit peu de stats. Bah, là aussi. Non, mais il a pas joué. Bah, d'accord, mais il était convoqué. Ouais, non, mais là, il est pas sur une grande forme. Mais par contre, voilà, faut pas non plus... Faut raison garder, c'est un joueur qui a un talent... vraiment fou. Je trouve qu'il a énormément progressé défensivement cette saison. On l'a vu quand il a remplacé Youssouf en sentinelle, il a très bien fait. Je pense qu'à Montpellier, vraiment, s'il ne fait pas autant de travail défensif, tu perds ce match déjà. Après, c'est un peu son péché mignon depuis toujours à Khéphren Thuram. C'est le dernier geste. Au-delà de la finition, c'est même la dernière passe. C'est pas assez. C'est un joueur qui a la qualité pour donner le bon ballon au dernier moment. Il devrait déjà avoir quelques passes décisives si ce n'est pas des buts. Eh oui, mais si, alors justement, même... je posais la question à Thierry. S'il ne le fait pas, ce qu'on attend de lui à un moment donné, parce que c'est plus un espoir Khéphren Thuram maintenant, il a 3-4 saisons en Ligue 1, il faut peut-être qu'il s'affirme un petit peu plus à ce niveau-là maintenant. Oui, c'est sûr. Après, il y a des périodes comme ça où on est moins efficace. Après, est-ce que c'est vraiment le terme de dire en faire plus ? Je suis pas sûr parce que je pense qu'au départ, il a les bonnes intentions. Après, des fois, ben, on est dans une période de mauvais choix, de mauvaise réalisation. Voilà, je suis pas sûr que ça soit lié à en faire plus. Qu'on attende peut-être plus de lui, je peux le comprendre. Mais voilà, après, ça reste des jeunes joueurs et qui continuent d'apprendre. Et voilà, nous, des fois, on veut tout d'un coup. Je pense que voilà, c'est une mauvaise passe, mais que ça va repartir. J'ai une image marquante, notamment à Montpellier, quand il rate. Oui, quand il a déchiré son maillot. Mais déjà, cette image, elle montre tout. Il tient bien le maillot, le coq sportif, au final. Ça va, c'est vrai que ça, pour le coq sportif, c'est plutôt une bonne image. C'est la qualité. Mais cette rage qu'il a, et c'est ça. Oui, c'est ça montre qu'il est impliqué. Mais de fou. Et c'est un gamin, quand il perd des matchs, il pleure. Bon, François, c'est un peu du dépit amoureux, là, ce débat sur Khéphren Thuram. Parce qu'on l'adore tous, évidemment, ce jour-là. Très beau joueur, très beau joueur, quand il part comme ça, en chevauché, que le ballon lui colle à la chaussure. Là. Voilà, c'est fait partie des joueurs rares. Alors, s'il avait mis sa tête à Nantes, évidemment... Ah bah, il n'y aurait pas le débat. On serait en train de l'encenser. Eh oui, ça se joue pas grand-chose. Comme ton frangin, un petit peu, et puis voilà. Non, mais après, ce qu'il a aussi, Thuram, c'est qu'il a une gueule, quoi, avec sa chevelure, avec son style. Terrain, voilà, et c'est sûr qu'on a envie de le voir encore plus. Puis, il a une tête vraiment de gentil aussi.
voilà, tout le monde l'adore, quoi. Donc c'est vrai qu'on aimerait voir plus progresser. On attend, comme disait Thierry, c'est vrai qu'on attend, on attend plus de lui que peut-être que ce qu'il peut faire. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu déçu sur ce début de saison par rapport aux attentes qu'on a, quoi. Ouais, tu as raison, tout le monde l'adore parce que. L'adore parce que mon fils il voulait le maillot de Thuram là pour Noël et comme un idiot j'ai pris celui de Todibo. Le Père Noël lui a pris, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, le Père Noël existe encore. Non, non, mais mon pour fils les parents qui regardent. Ouais, mon fils regarde, fais gaffe, il y croit encore. Le Père Noël existe. Bon, voilà le débat sur Kefren Thuram. On regrette évidemment aussi sa blessure. On espère qu'elle ne sera pas. Longue. On va juste, avant de clore le débat, eh bien, écouter Francesco Farioli qui va peut-être nous mettre tous d'accord à propos de Kefren Thuram. Io penso che su Kefren abbia avuto un'évolution importante dall'inizio della stagione. Je pense que Kefren a connu une évolution importante depuis le début de la saison. Il a consolidé certains aspects de ses prestations, il a aidé à différents postes, il a mis l'équipe avant tout et pour ça je crois qu'on doit tous le remercier. Concernant son apport offensif, il est bel et bien là. Samedi, il a eu une grosse occasion. Il s'est trouvé au bon endroit avec le bon timing. Malheureusement, il a manqué peu de choses pour que le ballon rentre. Mais il est sur le bon chemin et on espère que cette blessure ne sera pas trop grave pour qu'il puisse revenir rapidement. J'espère que l'infortunio non sia grave et qu'il possa consentire di tornare presto in campo. Voilà donc pour Kefren Thuram, l'avis de Francesco Farioli. On va passer à un thème qui concerne ben, les supporters et dans une globalité, hein, les supporters en France après ce tragique drame à Nantes où un supporter du football club de Nantes a été eh bien, tué par a priori un chauffeur VTC. En tous les cas, c'est son assassin, son tueur présumé qui est toujours en garde à vue à l'heure où l'on parle. Will, toi, tu étais effectivement à la Beaujoire. Alors, pendant que le match s'est déroulé, on savait qu'un supporter nantais était sérieusement blessé. On ne savait pas qu'il était décédé. Et puis après, on a appris derrière tout ce qui s'était passé. Ouais, ils ont... Le préfet a... Non, c'est le procureur. C'est le procureur. Le procureur, oui, a préféré garder l'information de son décès sous silence jusqu'à l'évacuation du stade pour éviter des échauffourées ou des problèmes dans l'enceinte parce que, en fait, ce malheureux supporter était décédé sur le coup. Il était touché à la horte, en fait. Ouais, et deux coups de couteau dans le dos, donc il pouvait difficilement s'en sortir. Non, ce qu'on a appris après par la suite, un peu de la tournure des événements, c'est que... Voilà, il y avait un arrêté préfectoral qui avait été pris seulement 48 heures avant la rencontre, alors qu'on sait bien que des supporters ne s'y prennent jamais 48 heures avant pour organiser un déplacement. Surtout pour aller à Nantes. Voilà. Donc 48 heures avant le match, il y avait certains périmètres qui étaient bloqués, il y avait un point de rendez-vous fixé. Certains supporters s'étaient déplacés en avion, donc ne pouvaient pas rejoindre ce point d'accès qui était à une vingtaine de kilomètres de Nantes, en extérieur de la ville. Donc ils y sont allés par leurs propres moyens avec ces VTC. Mais ils avaient été malheureusement repérés dans la journée par les Nantais qui, en fait, voilà, quand le convoi est passé devant le bar QG de la Brigade Loire, au moins 200 supporters se sont rués sur les véhicules et ont essayé vraiment de porter atteinte aux Niçois. Ils en ont touché quelques-uns ont été blessés. Mais c'est un événement dramatique et même si la mort n'a pas de couleur ou de maillot, ça aurait pu être aussi un Niçois parmi les victimes. Il y avait même des mineurs, des infos que j'ai pu récolter depuis. Il y avait des mineurs dans les véhicules, donc ça aurait pu être un drame absolu. Alors il y a des torts, évidemment que le tort le plus dramatique c'est cette attaque des Nantais. Après, si les C'est le chauffeur Will qui sort un couteau pour. Non mais oui mais les Nantais qui attaquent les véhicules quand si même. Si tu dis le plus dramatique non, c'est la mort. Voilà l'acte d'attaquer les véhicules c'est ça aussi qui provoque derrière ce geste. Cause, il y a cause et conséquence. Voilà. Peut-être que si les Niçois aussi avaient respecté cet arrêté, n'étaient pas en dehors du périmètre, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc enfin bref, il y a des torts un peu partout. Mais surtout, voilà, on en arrive aujourd'hui à donc, une interdiction quasiment qui va être totale de tous les déplacements des supporters. Et c'est là peut-être un drame supplémentaire parce qu'on le sait très bien, ça s'est déjà passé. C'est pas parce qu'il y a interdiction que les supporters ne vont pas se déplacer. Et donc, il va y avoir des mouvements de personnes qui ne seront pas autorisées, donc qui ne seront pas encadrées, qui n'auront pas d'endroit défini dans le stade pour être reçus. Donc, ils vont se balader dans la rue, autour des stades. Ça va créer que des événements périphériques encore plus problématiques. Donc, je suis pas certain que ce soit une bonne décision et je pense que les pouvoirs publics n'ont jamais réellement
réellement pris ce problème à bras le corps. Antoine, c'est dès ce week-end, hein, ces interdictions de supporters. Il y a cinq matchs qui ont été donc où il y aura des interdictions de supporters. C'est ce que le ministre de l'Intérieur Darmanin donc a confirmé ce matin, je crois. Mm-hmm. Donc il y a Montpellier-Lens ce soir, PSG Nantes. Nice-Reims qui est concerné effectivement. Alors qu'il n'y a aucun antagonisme entre Niçois et Rémois pourtant. Les supporters Rémois ne. Mais je crois qu'à Nice on n'aime pas trop le champagne, non Non, moi j'aime bien, t'inquiète pas. Ah bon, ça va. Il y a Lyon-Toulouse et Lorient-Marseille. Donc les supporters marseillais, nantais, toulousains, Rémois et Lensois ne pourront pas se déplacer. En gros, ce sont les supporters de Nice, de OM, de Paris, de Nantes, où il y a déjà eu des problèmes en fait entre supporters cette saison qui sont ciblés par ces arrêtés. Disons-le clairement, certainement que les Niçois ne pourront plus se déplacer cette saison. Ça ne change pas énormément de choses pour eux. Ils pouvaient déjà plus se déplacer à Marseille, à Paris, à Lens, à Lyon, à Saint-Etienne à l'époque où Saint-Etienne avait une équipe en Ligue 1. Donc il y avait déjà pas mal d'endroits où les Niçois ne pouvaient plus aller. Bon, ben là, ils ne pourront plus aller nulle part. D'autant plus dommage qu'au Havre, ils avaient prévu un beau déplacement. Donc il y aurait pu avoir beaucoup de Niçois pour les Aiglons, ça sera annulé forcément. Mais je pense que même au-delà de ces matchs des Niçois, c'est quasiment tous les déplacements, même des supporters toulousains, l'orientés, qui vont être annulés aussi. Thierry, c'est toujours dommage d'empêcher des supporters de vivre de leur passion, mais quand on voit toute cette violence autour des stades aujourd'hui, on se souvient du quart de l'Olympique Lyonnais et cette image de Fabio Grosso en sang. Voilà, les incidents se multiplient aux abords des stades et ont pour cause souvent les supporters. On en est presque obligé d'en arriver là pour toi aujourd'hui ? Ben, c'est malheureux parce que je pense que oui, tout supporter devrait pouvoir suivre son équipe de cœur. Maintenant, je pense qu'il faut mettre des sanctions à la hauteur aussi des événements. Parce que quand des fois on voit des interdictions d'un an ou deux ans, enfin je trouve que pour moi c'est pas suffisant. Je veux dire, si à un moment il faut que ça rentre, si d'autres pays comme l'Angleterre ont réussi quand même à œuvrer dans ce sens, est-ce que nous aussi on n'est pas trop gentils justement au niveau des sanctions quand on arrive à attraper les auteurs des faits. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment regrettable quoi, pour le sport en général que les supporters ne puissent pas suivre l'équipe qu'ils aiment. Et ça, c'est quand même un sentiment dommageable. Quoi. On va voir les déclarations d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, à propos justement de ces événements. Il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas accepter cette situation et taper du poing sur la table tous ensemble. On se pose, on suspend ces déplacements de supporters. Je réunis l'instance nationale du supporterisme en présence de la Ligue de foot, en présence des ministères de l'Intérieur et de la Justice le 18 décembre prochain. Je veux ce moratoire d'ici au 18 décembre. Thierry disait quelque chose d'important, François, parce que les interdictions de stade prononcées maintenant, on réfléchit maintenant du côté du ministère et des pouvoirs publics à faire des interdictions de stade à vie pour certains supporters trop violents. Ah oui, mais ça me paraît normal. Enfin, je veux dire, on en arrive à une situation quand même... Alors, c'est pas la faute du football. On est dans une société plus violente, plus dangereuse. Et malheureusement, on ne peut pas non plus affecter trois brigades de CRS pour un match de football. Quoi. Il y a des choses plus graves dans la société. Donc je pense que maintenant, malheureusement, on sera obligé d'interdire des déplacements de supporters parce que la société est plus violente et parce qu'on n'a pas d'autre solution, malheureusement. Avant de te donner la parole, je veux juste qu'on regarde la réaction de Vincent Labrune, lui qui est le président de la Ligue de football professionnel. Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme est d'interdire les déplacements de supporters qui sont directement à l'origine de la majorité des troubles à l'ordre public et maintenant des drames que nous rencontrons. C'est le moment de frapper un grand coup et de montrer qu'ensemble, nous sommes forts et que nous pourrons régler les choses. Tu souffles, Will, mais il n'a pas tort. Non, je suis désolé, non, il n'a pas m'énerve, tort. Ça m'énerve parce que c'est le président de la Ligue qui ont quand même dit « Bon, ben, le bus de Grosso a été caillassé, Grosso a failli perdre l'œil ou perdre la vie plus grave, mais c'est bon, le match, on le rejoue à Marseille dans un vélodrome plein. Il ne s'est rien passé. »
Non mais c'est une blague. Et après on vient faire des grandes phrases quand il y a un mort à Nantes. Par contre, quand l'OM, on caillasse un bus, là, il n'y a rien eu. Le match, il peut avoir lieu comme si de rien n'était. C'est complètement ridicule. Et de dire par madame, je sais plus. La ministre des Sports. La ministre des Sports, qui. Pff, bon, allez, ça va de ministre des Sports. Qui dit oui, on va prendre le bras. Non, mais dire suspendre, c'est pas prendre le problème à bras le corps. C'est pas vrai. C'est se débarrasser, au contraire. On suspend, le problème, il est réglé. On prend des arrêtés, on fait des copier-coller. Parce qu'en 2002, il y a eu une bagarre. Et ben voilà, ce match-là il est annulé. Et on se prend pas la tête. Alors que franchement, il y a la DLNH qui a été créée il y a je sais pas combien d'années maintenant. À quoi ils servent ces pauvres flics, parce que c'est des flics, qui organisent, qui essaient d'avoir des discussions, qui essaient d'encadrer et tout ça, mais au final. Oui, toutes les discussions, regarde, oui, toutes les mais précautions les avaient été prises. Les sanctions dures envers les individus qui font des torts, ça c'est une vraie méthode. Les suspensions à vie pour quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans un stade, je suis d'accord. Mmh. T'as fait n'importe quoi à vie. Mmh. Voilà, ça oui. Mais les phénomènes de masse comme ça, suspendre tout le monde, interdire tout le monde, c'est ridicule. Et il suffit juste de regarder, d'arrêter d'avoir nos petits centrés que sur nous-mêmes. On regarde un peu autour de nous. Mercredi dernier, en Allemagne, 20 000 supporters visiteurs à 300 km de chez eux. 20 000 en Allemagne. Nous, on n'est pas capable. Ok, très bien. Ouais, mais t'as vu les Anglais ce qu'ils ont fait hein? Non, les Anglais. Alors les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les places, les prix. Voilà. Et oui, et, bah, c'est super. Donc toi, tu peux plus aller. Et prononcer des interdictions de stade. Et les bagarres, elles se déroulent en D4, en D5, ou elles se déroulent en Coupe d'Europe. Voilà. Donc ils ont rien réglé du tout. Ils ont déplacé le problème. Voilà, ils ont réglé leur image, quoi. C'est tout. Voilà. Et on le cite souvent, pour exemple, c'est ça qui est encore plus marquant, comme ils ont réussi leur coup. C'est trompeur. On dit l'Angleterre a réussi, mais c'est pas vrai. Ils n'ont rien réussi du tout. Et les stades, ils n'ont rien réussi. Tout sans ambiance. Voilà, ils ont juste réussi à aseptiser les stades et à faire que maintenant les hooligans anglais attendent les déplacements de Coupe d'Europe pour tout casser à l'extérieur. Il y a eu un exemple en France quand même qui s'appelle le plan Leproux, c'était pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, qui a, on va dire, dissous toutes les associations de supporters qui étaient au Parc des Princes, que ce soit à Auteuil et à Boulogne. Et aujourd'hui, le Parc des Princes, messieurs, est beaucoup plus fréquentable qu'avant. Ouais, super, ouais, c'est Disneyland. Il y a pas d'ambiance. Je suis désolé, il y a de l'ambiance toujours au Parc des Princes. Franchement, j'ai fait le déplacement en 2002 avec. Oui, mais il y a plus de attends, Sénis, mais moi je veux bien que ce soit Disneyland s'il n'y a pas de mort autour des stades. Oui, était le plus beau stade de France en termes d'ambiance. En 2002. Mmh. Aujourd'hui, j'y vais, c'est Disneyland. Il n'y a que des influenceurs, des Instagrammeurs dans les gradins, ils sont contents. Ah, mais t'abuses. Non, j'abuse pas, je te jure que c'est la vérité. Parce que l'ambiance est toujours présente au Parc des Princes. Mais il a fallu en arriver là. C'est pas la même ambiance. Pour répondre à ça, aujourd'hui ça a changé. Dans les ultras aujourd'hui, ils sont prêts à donner leur nom, les chefs, les leaders ultras. C'est une association, c'est un groupe, une association déposée avec un référent qui a son nom enregistré auprès de la préfecture, tout ça. Donc on a de vrais interlocuteurs, des personnes qui s'engagent. Ce ne sont pas que des voyous stupides, comme on aime bien le dire, les ultras. Il y a aussi des gens qui s'investissent, qui organisent, qui espèrent. Et en fait, on ne les écoute pas. On les interdit tout bêtement. Et après, pour quelques idiots qui ont fait n'importe quoi, qui n'ont pas respecté un arrêté, on arrive à un drame. Et là, c'est tout le monde qui va être condamné. Bon, le débat était chaud. On le poursuivra certainement après ce fameux moratoire qui aura lieu le 18 décembre autour du ministre des Sports, avec plusieurs annonces certainement, dont celle peut-être des interdictions de supporters extérieurs dans les stades. Le temps que Will redescende un petit peu en température, c'est l'indiscret. Il est vite redescendu, mon Will, évidemment, pour nous consacrer cet indiscret. On trouve encore une fois Jean-Claire Todibo et Manchester United. Qu'est-ce qui se passe, Will? Il se passe qu'on n'est plus très loin d'un accord entre Ineos et Manchester United, donc pour une entrée au capital de 25% pour l'instant de Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Et donc, dans cette perspective, Jim Ratcliffe et Dave Braceford, ils ont déjà dans l'idée d'arriver avec un petit cadeau pour Manchester United qui se nomme Jean-Claire Todibo. Donc, c'est déjà... Par la haute du Père Noël, Ratcliffe. Voilà. Donc, et Mercado Mercato d'hiver, non? Dans l'idéal, ça aurait pu être pour Manchester, ça aurait pu être possible. Après, dans l'esprit de Jean-Claire Todibo, les informations qu'on a pu récolter, c'est que lui, il est focus sur la saison entière avec l'OGC Nice. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux cette année. Et il y a une belle échéance peut-être à aller chercher au bout avec une qualification en Ligue des Champions. Et surtout, il a besoin de stabilité pour aller chercher
l'Euro avec l'équipe de France. Il est pour l'instant dans les petits papiers, donc il n'y a pas de raison de s'enflammer. Et surtout, Manchester United aujourd'hui n'est pas une destination idéale. On voit que Eric Ten Hag est un coach qui est un peu en difficulté. On voit les résultats. Ils risquent de ne pas sortir de leur poule en Ligue des Champions avec Galatasaray et Copenhague. Quand même, c'est dire les difficultés de Manchester United. Ils sont sixièmes en première ligue. Jean-Claire Todibo se dit juste une chose, c'est qu'on va aller au bout de la saison. Et si bonne saison il fait, il y aura peut-être bien d'autres courtisans que Manchester United et peut-être que plus intéressant pour lui. Donc autant Ineos ouvre la porte complète à Jean-Claire Todibo, autant Jean-Claire Todibo la laisse un peu refermée. Bon, on voit comme le club a changé quand même, Thierry, parce qu'un défenseur central niçois convoité par Manchester United, tu n'es pas en avoir beaucoup à ton époque. Non, c'est sûr que ça a pris une autre dimension. Hein. Tout a évolué. Et je vois même en termes d'installation, enfin, tout ce qui a été fait depuis de nombreuses années, enfin, sur le développement dans divers secteurs, enfin, ça a pris vraiment une dimension. Tout est réuni pour voilà, que ce soit les jeunes au centre de formation, tout est réuni aussi pour qu'ils soient tous dans les meilleures conditions. Normal, hein, c'est normal, c'est un bien. Quoi. Rapproche-toi un tout petit peu du micro pour qu'on t'entende un peu mieux, mon cher Thierry. On peut en parler évidemment de Todibo. Toi, là, pour le coup, l'expert en défenseur central, là, ce que réalise Jean-Claire à l'OGC Nice, c'est épatant. Oui, tout à fait, sur sa régularité depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, il faut encore continuer à passer des paliers parce que je pense que l'équipe de France est encore une étape supérieure par rapport à d'autres centraux. Je pense qu'il est un petit peu en dedans, quoi. Donc il faut continuer à travailler. Et c'est vrai que ses bonnes performances, ben, peut-être lui ouvriront d'autres horizons pour continuer, lui, sa progression à tous les niveaux. Quoi. Où tu le vois? Dans quel domaine tu penses qu'il faut qu'il progresse, toi? Je pense que c'est aussi un peu dans l'attitude aussi des fois qu'on a l'impression de ressentir de l'extérieur où il y a peut-être un peu trop de relâchement, trop de facilité par moment. Après, c'est peut-être qu'une impression qui dégage, quoi. Mais je pense qu'il doit être encore plus performant sur tout ce qui est relance, quoi. Parce qu'après, je pense que j'ai l'impression des fois que quand il a gagné un gros duel, des fois, on a l'impression qu'il bombe le torse un peu. Voilà, et ça enchaîne pas forcément positivement derrière, quoi. Mais voilà, c'est des petits détails, mais je pense que c'est dans la concentration et dans ces petites choses-là, quoi. Hein. Après, ça reste voilà, un très bon joueur qui est jeune, qui a justement encore le potentiel pour franchir d'autres paliers, quoi. François, Todibo, tu le vois jouer, toi, plutôt Première Ligue, plutôt Championnat Espagnol, plutôt dans le calcio, qu'est-ce qui t'inspire? Première Ligue, enfin... C'est un joueur de Première Ligue. Bah, oui, L'Espagne, il l'a connu, hein, déjà, avec le Barça. Ouais. Oui. Et puis, bon, là, c'est avec la filière Ineos, pareil, quand même, comment dire... C'est pas automatique, quoi. C'est pas parce que Ratli va racheter, à un moment donné... une partie de Manchester United que tous les joueurs non, soir, non mais je sais pas, puis c'est aussi je le vois bien avec ce maillot là, ce maillot rouge Manchester, je sais pas, je veux dire avec le Barça il a pas quand même beaucoup joué en Espagne, il a dû faire 8 matchs et encore que des bouts de match, il a joué en Allemagne à Schalke 04 je crois et il a joué à Lisbonne, mais à chaque fois c'était ce qui est sûr aujourd'hui c'est que c'est le championnat qui le titille le plus forcément. Après c'est le meilleur championnat d'Europe, il y a rien à dire là-dessus, on voit la densité dans la concurrence. Et il y a pas mal de clubs aujourd'hui qui pourraient être susceptibles de l'intéresser en Première Ligue. Il y a pas que par exemple, Van Dijk à Liverpool, ça décline un peu. Hein. Liverpool qui avait fait le choix l'été dernier d'acheter à d'autres postes et en attendant d'investir à l'été 2024 sur le secteur défensif. Donc Todibo peut être encore dans les petits papiers de Liverpool à ce moment-là. Une charnière Saliba Todibo Arsenal, je pense qu'Arteta y cracherait pas dessus. Arsenal, je pense que c'est moins... Ouais. C'est la piste la moins chaude. Je pense que ça peut se jouer... Manchester, Liverpool, Newcastle, Tottenham. Ça, c'est plus des pistes intéressantes pour Jean-Claire Todibo. Et Tottenham qui fait une bonne saison. Qui fait une bonne saison, qui est un gros club, qui travaille bien. C'est un gros... Que Manchester, aujourd'hui, ça ne donne pas une très belle image. Les frères Glazer n'ont pas l'envie en fait, de lâcher ce club. Et comme ça se passe depuis qu'ils sont là, ce n'est pas terrible. Donc, ce n'est pas un club qui a les meilleures dispositions pour se projeter sur l'avenir. Et Todibo, c'est 60 millions quand même, c'est ça? 60 aujourd'hui, millions. C'est minimum, ce qui serait minimum. Pour un défenseur, c'est... Et il est contrat jusqu'en 2027. Il y a un échange de Todibo à Harry Maguire? Non,
je rigole. Celle-là, elle est bonne. C'était ma petite blague du jour. Allez, on va parler de cet avant-match face à Reims, dimanche donc à 13h du côté de l'Allianz Riviera. On va regarder d'abord le tableau du classement. L'OGC Nice n'a pas bougé de cette deuxième place derrière le Paris Saint-Germain qui a pris un petit peu d'avance. Hein, du coup, maintenant, pour les Parisiens, 4 points d'avance. Monaco qui revient à 2 points derrière Nice. Et puis Lille et Reims hein, qui sont toujours dans le coup. Lens qui a amorcé sa remontée. Puis Marseille également. Brest qui a loupé le coche hein, en match en retard cette semaine de monter jusqu'à la 5e place. L'équipe de l'ami Éric Roy, mais qui fait une super saison. Thierry, on le disait tout à l'heure, c'est le match du rebond, quoi, peut-être pour les Niçois. C'est pas une équipe quand même qui va poser des problèmes à cette équipe de Nice. Oui, oui, j'aime beaucoup aussi voir jouer cette équipe de Reims parce qu'elle est assez attrayante. Elle a un peu un coach atypique qui renvoie beaucoup de positifs. Ah, j'aime beaucoup ses analyses. Donc oui, j'espère que ça sera un match plaisant pour les spectateurs parce que je crois que c'est ce que attend aussi au niveau du stade. Quelques séquences pour s'enflammer un petit peu. Quoi, parce qu'on sent qu'il voilà, y a quand même aussi une certaine lassitude pendant les rencontres qui monte un peu des tribunes. Donc j'espère. Après, des fois, il faut être deux pour faire un bon match. Mais je pense que c'est l'adversaire idéal pour avoir un bon match. Ouais, mais là, Antoine, c'est une équipe donc solide, cette équipe de Reims, mais qui marque aussi des buts parce que deuxième ou troisième meilleure attaque, je crois. Qui marque et qui en encaisse, parce qu'ils ont marqué 20 buts et ils en ont pris 19. Ouais, donc il se passe toujours quelque chose quand le stade de Reims joue cette saison. Par contre, ils perdent beaucoup plus de matchs que la saison dernière. Donc je crois qu'ils ont déjà perdu 5 matchs. Et ils restent d'ailleurs sur les 3 derniers matchs avec 2 défaites. Hein. Bon, après, c'est Paris. Ils ont perdu contre Paris 3-0. Avec Mbappé qui a marqué un triplé. Ils ont perdu à Rennes 3-1 avant de gagner contre Strasbourg dernièrement 2-1. Mais c'est aussi un duel entre les deux plus jeunes coachs de Ligue 1. C'est vrai. Entre Will Steele, 31 ans, et Farioli, 34 ans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Francesco Farioli nous disait tout à l'heure en conférence de presse, c'est la première fois qu'il joue contre un coach plus jeune que lui. Ouais, ouais. C'est sûr qu'à 34 ans, c'était pas évident à trouver. Et donc, c'est bien, c'est parce que ça va être un duel entre deux jeunes entraîneurs qui ont un style un peu atypique, un peu différent, qui apporte peut-être du souffle nouveau. Et ça va être un bon duel à jouer. On l'attend un petit peu au tournant, là aussi, Francesco Farioli, peut-être sur ce match, parce que on n'en a pas trop parlé, mais ses choix à Nantes peuvent peut-être être discutables. Rosario à droite, par exemple, se passer de la Borde au coup d'envoi, la rentrée de Boinani qui n'a absolument rien fait, hélas, à la place de Baldé. Il y a plein de circonstances atténuantes là-dedans. Ouais. Rosario à droite, est-ce que Jordan Otomba est bon en ce moment? Non. L'entrée de Boinani, il se blesse au premier contact après son entrée. Dur d'être bon pendant 20 minutes après derrière. Il est blessé quand même 6 semaines, donc c'était une blessure sérieuse. Mofi à droite, c'était une bonne idée. Descend dans l'axe. Descend dans l'axe, moi je trouve que c'est pas mal, hein, parce qu'il a obtenu des fautes. Alors par contre, après, il a eu plus de difficultés à vraiment peser dans cette défense nantaise. Mais il tâtonne aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a un vrai neuf qui se dégage aujourd'hui? On le verra tout à l'heure avec la compo probable, mais peut-être que Reims, déjà, qui est une équipe qui va, à mon avis, ouvrir le jeu, jouer au football. Donc du coup, on va avoir un match plus ouvert, avec des espaces. On pourrait retrouver donc Mofi en neuf. Et donc, moi, je trouve que c'est dur de lui dire qu'on l'attend au tournant. Ce coach, 14 journées, toujours une seule défaite. François, l'amateur de basket, ça va être showtime là, oui, dimanche après-midi. Avec un fils de basketteur dans les rangs de Reims, du stade de Reims, et un ancien niçois, c'est Amir Richardson. Le fils de la légende de la NBA, Sugar Ray Richardson, champion de France avec Antibes en 1995. Ouais, oui. On s'en souvient. Sugar Ray, ouais. Donc Amir Richardson, qui est très prometteur, formé à Nice, natif d'Antibes, qui a été formé d'abord à La Fontaine et après qui est allé au centre de formation de l'OGC Nice. Super joueur, ouais. que Will Steele adore aussi. Qui était au Havre. Il appelle la grande frite. Qui était au Havre avant. Ah ouais, ouais. Il appelle la grande frite. Et Will Steele a dit qu'il allait mettre 6-0 à Nice. Oui, bon, on aime son humour. Hein. Voilà. Quand une équipe en a pris que 5. Mais c'est vrai que franchement, ce coach, il fait plaisir là-dessus aussi. Ouais, c'est qu'il est frais. Il régale. Voilà, ouais. Il parle vrai, frais, il dit ce qu'il pense. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, allez, tu en as un petit peu parlé, mon cher Will. On va passer à la compo probable de ce Nice-Reims. La compo probable. On fait tourner le micro. On fait tourner le micro. Nice a perdu, donc c'est pas grave si tu fais tomber le micro maintenant.
Ça marche là ? Le sort a été ça marche ? Déjoué. Oui, bien sûr que ça marche. J'avais l'impression d'avoir appuyé sur le mauvais bouton. Alors, Akompobe, Marcine Boulka, ça va pas être une surprise dans les buts. Voilà. Je pense que le coach va reconduire cette défense. C'est la seule certitude, Rosario Lotomba. Mais on l'a encore senti dans la conf tout à l'heure, il est vraiment fan de l'attitude, du comportement de Rosario. Et de toute manière, c'est un coach. Ça, par contre, c'est vrai que sur les latéraux, il leur demande de ne pas trop se projeter, de rentrer plus intérieur. Donc Rosario, là-dedans, il sait faire. Lotomba, c'est plus dans la projection. Donc, voilà. À domicile, hein. Il va falloir un peu montrer. Ouais, mais ça dépend qui tu veux avoir à droite. Si il va y avoir la board, mais bon, on aurait pu faire un Rosario ou Lotomba. Non, il faut se mouiller. T'as bien fait de te mouiller, Tony Rosario. Voilà. Après, Todibo dans tes bardes, ça ne bougera pas. Milieu de terrain. Youssouf. Le taulier toujours là. Morgan Sanson, qui est pour moi le joueur en forme actuellement à l'OGC Nice. Et Hicham Boudaoui qui profitera de la blessure du forfait de Kefren Thuram pour récupérer ce poste de relayeur. Et en attaque, voilà, comme le coach. Par Mimofi dans l'axe. Ouais, parce que le coach en a parlé. Et c'est vrai que Reims, c'est une équipe qui ouvre le jeu et qui laisse pas mal d'espace dans le dos. Et là, en l'occurrence, c'est plus un match pour Terem Mofi, comme on l'a vu au Parc des Princes. Une défense qui peut monter haut, qui laisse de l'espace derrière, et Terem qui s'en va. Donc Mofi dans l'axe, avec la board qui récupérait ce couloir droit, et Jérémy Boga toujours à gauche, parce que là, c'est plutôt par déficit de concurrence, malheureusement, aujourd'hui. Parce que s'il y avait un Sofiane Diop, je ne doute pas que Jérémy Boga aurait pu faire un petit détour par le banc après trois prestations de fil vraiment transparentes. Mais aujourd'hui, il reste Baldé, Claude Maurice qui serait plutôt utilisé au cœur du jeu. Donc, D'ailleurs, tiens, entre Boudaoui et Claude Maurice, tu mets Boudaoui pourquoi ? Pour son volume de jeu, ouais. Pour les 13 ou 14 bornes qu'il fait par match face à une équipe de Reims qui est aussi est très forte dans cet effort-là. Et peut-être en cours de jeu, par contre, faire rentrer Claude Maurice pour apporter un peu la touche technique dans les derniers mètres, ça pourrait être possible. Et pourquoi pas mettre Gaussin à la place un peu de Boga et intervertir la board Gaussin, quand il le fait jouer ces derniers temps, il a toujours fait jouer devant. Il a plus fait jouer sur le côté depuis la première journée à Lille. Mais il pourrait changer. Ça pourrait essayer. Je vais lui dire. Tu envoies un petit SMS à Francesco Farioli. À un moment donné, Boga va falloir faire quelque chose. Il peut pas faire un match sur cinq, quoi. Je veux dire, il a coûté 18. Il faut qu'il enchaîne, ça que tu veux dire. Oui, il a coûté 18 millions d'euros. Boga, il a une attitude qui est un petit peu quand même dilettante souvent. Je trouve que à un moment donné, il faut qu'il en fasse un peu plus. Et à un moment donné, il faut peut-être lui dire mon gars, si tu veux. Alors, il n'est pas responsable du prix de son transfert, évidemment. Non, mais bien sûr. On est un peu déçu, parce qu'il a plutôt bien commencé, en plus. Oui. Après, peut-être qu'il a aussi un petit peu le contre-coup. Hein, c'est toujours pareil. Il est arrivé un petit peu au départ, il n'a pas commencé. Alors, peut-être que c'était sûrement un problème physique. Donc, après, c'est toujours pareil. On revient au départ, on a beaucoup d'enthousiasme et puis après on a peut-être un peu le contre-coup, hein. C'est toujours moi je me mets toujours à la place du joueur, c'est jamais évident, on n'a pas tous les paramètres. Après c'est sûr que quand on affiche les chiffres, on est en droit d'attendre plus, mais bon maintenant les chiffres ils sont tellement aberrants pour pas grand chose que voilà. Après mon chouchou c'est Evan, donc j'aimerais qu'il commence puisque il est de la génération de mon fils, donc je l'ai vu évoluer depuis très très longtemps, donc voilà, je lui souhaite d'enchaîner les matchs, quoi. C'est surtout ça. Après je pense qu'aussi pour un attaquant c'est important aussi comme pour tout joueur, mais d'enchaîner les matchs, quoi. Il pourra enchaîner peut-être pendant la CAN, hein, Evan Guessant, puisque Mofi sera certainement avec l'équipe du Nigeria pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, donc il y aura de la place pour Guessant devant. Il devrait y avoir de la place. Il y aurait eu aussi peut-être de la place pour Badreddine Bouanani, mais bon, maintenant on va avec voir. Avec la blessure. Il pourrait ne pas revenir avant mi-janvier. Bouanani, il aurait été convoqué. Hein. Ouais, dans un groupe de 26, possible. Ouais. J'aurais pu avoir un autre indiscret là-dessus aussi. Tu te le gardes pour la prochaine fois, peut-être. Allez, on va passer au cadeau de la semaine. Et le
cadeau, c'est une remise en jeu. Pas eu de gagnant la semaine dernière. Personne n'a vu l'OGC Nice perdre à Nantes parmi tous ceux qui nous suivent, et en particulier sur le score de 1-0. Donc notre invité la semaine dernière, c'était Xavier Garcia, auteur de ce magnifique livre « Les perdants magnifiques » avec la petite dédicace à l'intérieur qu'il nous a fait. C'était de bon ton. Voilà, ben bah oui, c'est... De toute façon, quand on reçoit un invité, « Les perdants magnifiques », avant un match à Nantes avec une couverture jaune... Tu ne pouvais que perdre. Non, tu pouvais qu'on fait un coucou à Xavier. Alors, par contre, sans faire honneur à offense à Xavier Garcia, si l'OGC Nice perd à Reims, je ne remets plus en jeu le Xavier Garcia sur les perdants magnifiques. La couverture n'est pas rouge. Voilà, donc pour cela, eh bien, il faut évidemment pronostiquer le score entre Nice et Reims. Vous en avez l'habitude maintenant avec le nom des buteurs, le petit hashtag Gym Tonic. Et donc, pour gagner ce livre de Xavier Garcia. C'est l'heure du souviens-toi. Ouais. 1-0 ou 0-0. Hein, on fait plus de pronostic. Ouais, là, ça. Allez, de toute façon. Allez, le souviens, le souviens-toi. Un souviens-toi, mon cher Antoine, consacré à notre invité. Oui, bah, ça va pas être très compliqué parce que c'est Thierry qui va parler du coup. Voilà. Non, tu vas te faire parler un peu. Je vais le lancer. Bon, alors, donc Thierry Crétier qui a été formé au gym, il a 51 ans maintenant. Il est arrivé, il me l'a dit tout à l'heure, à Nice à l'âge de 15 ans en provenance de Besançon, là où tu es né. C'est ça, tout à voilà. fait. Et, Bisontin. Oui. Bisontin, ah. Voilà. Et Thierry, libéraux, tu as toujours joué libéraux. Et milieu défensif après. Voilà, je suis arrivé, ouais. J'étais plutôt un milieu de terrain en catégorie de jeunes. Et après, j'ai commencé en réserve, oui, à jouer derrière. Voilà, et après, ce poste m'a plus quitté. Et... Ouais. Il y en a encore des libéraux, tiens, d'ailleurs, tiens, dans le football moderne. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Non, je pense que de ce côté-là, non, c'était vraiment quelque chose qui a disparu. C'était quoi la différence, justement, alors, un libéraux et un défenseur central? C'est-à-dire qu'on avait vraiment le stopper qui s'occupait de l'attaquant, et nous, on récupérait les miettes à droite ou à gauche, alors que maintenant, bon, ils sont plus... aligné, et voilà, chacun, quand vient l'attaquant, vient dans sa zone, il le prend, quoi. Donc c'était plus, même si nous, on avait l'habitude justement de commencer à jouer, pas complètement à plat, mais à se passer les joueurs, parce que, ben, pareil, on avait une équipe jeune où on se connaissait, pareil, on avait joué depuis longtemps, que ça soit avec Olivier Fugin, Youssef Salimi, donc... Il y avait beaucoup de... Voilà, on se connaissait parfaitement. Et donc, ça a vite évolué aussi dans ce qui se fait maintenant la plupart du temps. Quoi. Tu avais plus de cheveux à l'époque, Thierry. On s'en souvient, on voit une petite image. Je saisis moi aussi, la balle au bon. Tu cites Olivier Fugin, Youssef Salimi. C'est qui a marqué en finale alors? Youssef. Ah, Youssef. Personne ne saura jamais. Mais Olivier nous maintient que c'est lui. Et voilà. C'est les deux. C'est Fulimi, quand même. Bon, alors, donc, Thierry, c'est quand même 101 match en D1, 105 matchs en D2, tout ça avec Nice et Nîmes. Il a joué à Nice de 92 à 97 en pro pour deux titres, un champion de France de D2 en 1994 avec comme entraîneur Albert Raymond. Ouais, ça reste pour moi le plus beau souvenir. C'est la super D2, non, c'était ça? Ouais. Mais oui, ça reste magnifique parce que sur un groupe de 20 joueurs, on devait être 14 du centre de formation. Malheureusement, suite à la rétrogression administrative de l'OGC Nice, c'est vrai que derrière, ils ont fait appel à pas mal de jeunes, un peu peut-être, c'était pas prévu, mais donc nous, ça a été l'opportunité. Et voilà, petit à petit, nous aussi, on a progressé. Et au bout de 3 ans de Ligue 2, on a réussi à remonter en Ligue 1. Avec une équipe très, très solide, pas mal de nuls, mais voilà, très solide, je qui ressemble au Nice de maintenant. C'est l'état d'esprit, je pense, qui a fait la différence, parce qu'on n'avait pas de joueurs majeurs, mais voilà, il régnait une ambiance, même dans les moments difficiles, parce qu'on en a eu durant la saison. On savait qu'on allait repartir de l'avant, parce que voilà, on avait vraiment une bande exceptionnelle. Et, il y a un coach aussi qui arrivait à tirer le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'ai beaucoup apprécié Albert Raymond sur son passage à Nice, parce que voilà, c'était quelqu'un qui vraiment, au niveau de son groupe, tirait le maximum. Et comme je vous dis, je pense pas qu'on était le plus beau à voir ni les meilleurs, mais voilà. Les plus solides. Voilà, les plus solides et les plus compétiteurs, on n'a rien lâché. Et pour moi, ça reste le meilleur souvenir. Plus fort que la finale. Oui, plus fort que la finale, parce que j'ai eu une fin de saison compliquée aussi. D'ailleurs, tu n'étais pas titulaire. Non.
Donc voilà, et puis même au niveau émotion, toute l'année, ça a été un marathon, ça a été dur avec des moments difficiles et vraiment la récompense au bout. Oui, à l'époque, il y avait encore 42 matchs, donc dur et vraiment. C'était Chaouche et Sanjak, les buteurs. James Deba est arrivé un peu plus tard. Voilà, c'était des mecs super qu'on connaissait pas spécialement, mais c'était des super joueurs. Jonagbe, c'était un amour, quoi. Un amour. Moi, j'avais un ami qui était absolument fan de toi à l'époque, Sébastien, il se reconnaîtra. Il militait même pour que tu arrives en équipe de France à un moment donné. Tellement, il avait les yeux de l'amour pour toi. Thierry a joué en équipe de France jeune. Oui, en catégorie jeune. Je suis arrivé à la porte des espoirs. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai aucune amertume par rapport à ma carrière. J'ai toujours donné le maximum. Et puis voilà, après, vous plaisez à certains ou vous avez des pépins physiques. L'important, c'est de donner le maximum. Et voilà, après, il arrive ce qui arrive. Et non, non, mais après, la Coupe de France reste un énorme souvenir aussi. Parce que... Mais la saison était plus difficile parce que déjà, c'était la descente en D2. Vous parliez beaucoup de matchs. Oui, il y a eu des changements tout au long de la saison. On a changé presque, je crois, 3 fois de coach. Tu t'entendais pas très bien que Enfin, c'est pas que je m'entendais mal. Il a fait des... Non, mais on s'est revu. Il a fait des choix. Moi, après, j'ai jamais... Je suis jamais allé le voir. Il a mis Tatarian en libéraux. Fred Tatarian. Mais c'est comme ça, comme je vous dis. Mais t'avais participé quand même à la finale. J'étais rentré, c'est ça. Je m'échauffais. J'étais avec Jean-Luc Vanucci qui, à l'époque, était à Guingamp. Que l'on salue, finaliste malheureux du 17. Il sera bientôt dans Nice Matin, d'ailleurs. Tu peux pas l'inviter dans Gym Tonic, là, un peu? Ça nous ferait plaisir d'avoir. Parce qu'on voit avec Philippe, la légende. Il est plus dans le coin. Ah ouais? Ouais, mais s'il passe pour les fêtes. Ouais, ce serait bien. Mais je pense que là, il faut jouer en Corse ou sur Paris. Ouais, voilà. Bon. Mais c'est sympa de là. Ouais. Et bon, Thierry, après, il a poursuivi sa carrière à Nîmes en D2. Tu as été un petit peu aussi à La Réunion, à la Saint-Pierrois, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai fait 6 mois, oui, parce que j'avais résilié aussi ma deuxième année à Nîmes. Et j'avais Christophe Buffa aussi, qui était déjà à La Réunion depuis 2-3 ans. Et il y avait un président qui avait envie de faire quelque chose. Et donc, moi, je suis allé voir un petit peu comment c'était. Et puis, j'ai fait 6 mois là-bas. Je me suis régalé. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Papin à l'époque parce qu'il était venu faire 6-7 matchs. Ah ouais. Donc vraiment une rencontre. Il a fait quelques papinades. Ouais, mais un super mec, franchement, un souvenir. Et derrière, c'était vraiment à la fin de sa carrière parce qu'il avait fait son jubilé au Vélodrome et il avait invité toute l'équipe de La Réunion. Grand monsieur. Ouais. Grand monsieur et super mec. Et t'as même joué à Reims? Il s'est relancé à Reims. J'ai joué à Reims, en national aussi, une très belle ville. Mais pareil, quelques petits pépins de cheville. Beau club, Reims. Oui, bon, après, c'était en pleine restructuration. Mais voilà, on sentait un potentiel dans cette ville. Mais voilà, on était loin de, je pense, de ce qu'ils sont, là. Maintenant, un peu, j'ai pu connaître Nice. Ça a mis quand même beaucoup de temps à ce que le centre de formation change parce que c'est important. Tout ce qu'il y a autour de l'équipe 1, c'est très important aussi, je crois. Ça te rappelle des bons souvenirs, François, Thierry Crétier, cette finale de Coupe de France? Cette finale de Coupe de France. Une petite parenthèse. On a l'impression qu'on en parle toutes les semaines. Quand on a joué à Nice, à La Réunion, et qu'on a gagné la Coupe de France, je crois qu'on peut dire qu'on a vraiment réussi sa carrière. François est dans La Réunion. François, il y était, lui. Oui, j'étais à cette finale. Pour moi, c'est un souvenir. Oui, on en parle chaque semaine, mais c'est vrai qu'il y avait une intensité sur la pelouse qui était complètement dingue. Les deux équipes voulaient vraiment cette Coupe de France. Je crois que tu l'as dit, t'es rentré à la 75e et t'as fini épuisé. J'avais pas fait un gros échauffement, justement. On discute un peu trop avec Jean-Luc, mais... à l'équipe. Et puis maintenant, tu vis le football aussi par intermédiaire de ton fils. Oui, tout à fait. Qui a aussi fait le centre de formation à Nice, et puis qui n'a pas été conservé à la porte des pros et qui, à l'heure actuelle, est en université aux États-Unis à San Diego,
Ça va faire sa deuxième année et voilà, ça se passe bien, mais bon, il a toujours ça au fond de lui, donc il aimerait aussi, je pense, retrouver un petit projet pour continuer un peu sa progression par rapport à ce qu'il avait connu à Nice. Et voilà, il aimerait, je pense, retrouver un peu voilà, un niveau genre national, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Le message est passé. Voilà, j'espère. À quel poste pour qu'on soit bien complet? Ben, il a joué défenseur central comme moi, et là, cette année, il a un peu plus joué latéral droit. Et mais bon, voilà, ça restera une expérience très positive, quoi qu'il arrive. Mais bon, l'éloignement fait que. Il était rentré une fois avec les pros du gym. Oui, 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 sous l'air d'Urcea, qu'il appréciait beaucoup, qui était rentré arrière droit d'ailleurs. Mais c'est pareil, c'était une période où il avait aussi pas mal de petits pépins. Et souvent, quand on l'a sollicité, ben, il était justement en arrêt. Donc, voilà, je reviens toujours un petit peu. Par de chance. Voilà, l'opportunité au bon moment ou dans le bon club. C'est toujours pareil, des fois, ça tient à pas grand chose et à une rencontre. Mais voilà, quoi, il s'accroche et voilà. Moi, j'avais une petite question sur ta carrière. C'est qui le meilleur attaquant contre qui tu as joué? Georges Weah. Ouais, Georges Weah, très compliqué. Tu peux pas le dire. Très compliqué. Et le meilleur joueur avec qui tu as joué? Zoran Milinkovic. Ah oui, c'était des bons joueurs, mais... Moi, c'est ce que j'adorais. À l'époque, enfin, tout au début, je jouais pas trop, mais je m'entraînais déjà. À l'époque, il y avait Mustapha El Hadaoui. Mousse, trop fort. Ouais. C'était mon idole à l'époque, moi. Il y avait mon poster dans sa chambre. Ah ouais. Et un jour, je me rappelle, je sortais du lycée Thierry Molnier, et il allait au centre d'entraînement comme ça, dans une vieille 106. Il pas trop ébrante. Pardon. Fait chaud sur le plateau. Et je l'avais vu, et je lui ai fait un mousse. Il m'avait fait un gros coup comme ça. Et après, là, pendant 3 jours, j'étais en mousse, il m'a dit bonjour. Bon. Eh ben, une carrière riche, en tous les cas, pour toi, Thierry. Et on est très heureux. Thierry a signalé quand même qu'il a ensuite joué dans les clubs de la région, à Cagnes, à Grasse et à Saint-Jean-Beaulieu, où il a été beaucoup dans l'encadrement ensuite. Mmh. Et c'est à noter parce qu'il a du coup donné son savoir un peu à tous les... J'ai même eu les... la chance de jouer avec Thierry. C'est vrai ? À Saint-Jean. Ouais, ouais. Raconte-nous ça. Il était comment, Will ? En place, en place. Parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse. Il était très bien, Will. c'est gentil, mais... j'étais rentré, c'était à l'époque, Saint-Jean, la première, était encore qu'en PHA. D'accord. Après, les montées jusqu'en DH. Avec l'équipe à Baez, quand même. Il y avait Thierry, il y avait Patrice Alberganti, il y avait Vincent Salager, Eric Deletan, Di Costanzo est arrivé après. Et j'étais rentré dans un match à Antibes et Thierry faisait partie des ceux qui parlaient. Allez, Thierry, ok. Non, c'était un bon souvenir. Ça fait toujours plaisir de jouer avec des joueurs qu'on regardait derrière le grillage au Stade du Rail. Ah, bah oui, évidemment. Ouais. Bon. Thierry, merci en tous les cas d'avoir été avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Tu reviens évidemment quand tu veux. Ici, c'est aussi ta maison. Messieurs, merci. Merci à vous. On se donne rendez-vous donc dimanche pour ce match face à Reims. C'est jeudi prochain donc pour le prochain match au Havre. Ça sera samedi à 17h. Déplacement au Havre, donc prochain Gym Tonic jeudi prochain. Merci à Sophie Doncet, Chloé Vorgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.